la gratitude, être reconnaissant pour notre vie. Parce que des fois, on est tellement dans notre vie, c'est tellement dans nos affaires, qu'on ne prend pas conscience de ce qui se passe dans le monde autour de nous. Là, je parle vraiment pour moi. Je peux être tellement dans mes affaires que je me fous de ce qui se passe autour de moi. C'est pas que je m'en fous, c'est juste... Tu vis ta vie, je vis ma vie. Tu sais, j'ai mes problèmes, j'ai mes obstacles, j'ai mes défis sur lesquels je suis focus, puis sur lesquels, tu sais, je me débat à surmonter, à... sur lequel je travaille, ok? Puis la vie, Dieu, whatever, appelez ça comme vous voulez. Vous faites tomber sur des personnes avec qui vous parlez. Puis une discussion en amène une autre. Puis tu commences maintenant à plonger un peu dans la vie, dans l'histoire d'une autre personne. Puis te raconte ses obstacles, te raconte ses défis. Puis t'es comme, yeah. Je pensais que j'avais des problèmes, mais j'ai pas de problème. Je pensais que j'avais des struggles, mais j'ai pas de struggles. Parce que ce que cette personne-là vit, je pense pas que je pourrais passer à travers. Fait que c'est rendu hier, pour vrai, j'ai parlé avec quelqu'un. Puis tu sais, elle me raconte ce à quoi elle fait face. Je suis comme, damn. Après avoir parlé avec elle, j'ai dû m'arrêter puis dire merci à Dieu pour mes problèmes. J'ai fait waouh, Seigneur, merci pour la vie que j'ai. Merci pour mes faux problèmes. Garde, je veux que mes faux problèmes restent faux. Parce que ce par quoi elle est en train de ce qu'elle est en train de vivre en ce moment, ce à quoi qu'elle vit, c'est comme c'est pas comparable avec ce que moi je vis. Comme ça me remet les choses en perspective. C'est comme waouh, j'ai une belle vie. Waouh, la vie se déroule bien pour moi. Waouh, j'ai pas de problème comparativement à ce que d'autres personnes vivent, puis se réveillent, se couchent, puis les mêmes choses se répètent. Moi, c'est basic. Il y a des gens qui vivent des choses dans la vie, t'es comme waouh, j'ai une belle vie. Pour vrai, j'ai pas à me plaindre. J'ai continué à pratiquer la gratitude, dire merci. Comme maintenant, on dirait, je vais dire merci pour deux choses. Merci pour ce qui va bien, mais aussi merci pour ce qui va pas bien. Parce que ce qui va pas bien, ça va bien. Je pense que ce qui va pas bien, c'est bien. Parce que ça pourrait être pire que ça. Dans d'autres circonstances, d'autres personnes vivent. Pire comme, disons que t'es étudiante là, puis ton stress dans la vie, tes struggles dans la vie, c'est tes études, c'est parce que t'as coulé un examen, ou parce que t'as manqué ton autobus, ou parce que t'as foiré une entrevue. Yo, ma fille, fake problem. Fake problem. Comme c'est des vrais problèmes pour toi, comme pour toi c'est dur là. Mais si vient un moment où tu t'assois avec quelqu'un d'autre qui te parle que ses jours sont comptés, qui parle que j'ai peur de mourir parce que si je meurs, je sais pas qu'est-ce qui va arriver de mes enfants qui sont à un jeune âge, qui ont encore besoin de moi, t'es comme waouh. Merci pour parce que mon problème, c'est parce que j'ai coulé un examen. Dans le futur, quand plus les jours avancent, plus ça va vraiment juste être une vieille histoire sans importance. Il y a des gens là qui dirent avec des problèmes de vie ou de mort. Que leurs problèmes, ça, les difficultés auxquelles ils font face impactent d'autres vies. Puis toi, c'est ton problème, c'est parce que t'as un pneu qui a pété. Puis
t'es obligé de recommencer à prendre l'autobus. Genre, c'est comme... Fait, merci. Prends un temps pour remercier Dieu parce que c'est avec ce genre de problème-là que tu dis. Parce que c'est pas un vrai problème. C'est pas un vrai problème. Là, une pauvre quand la madame m'a parlé, j'ai fait waouh, merci pour ma vie. Merci parce que mon problème, c'est parce que j'ai pas de problème. Pour moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, j'ai pas de difficulté. C'est juste, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Merci Seigneur pour mes faux problèmes, pour des problèmes que j'invente. Merci. Oh, merci. Yo, pour vrai, j'ai dû m'arrêter et dire waouh, merci pour mes fake problems. Thank you, God. Thank you. Parce que pour vrai, j'ai une belle vie. Parce qu'il y a des gens dehors là, waouh, qui font face à des difficultés que tu sais même. Je peux même pas m'imaginer. Je pourrais même pas m'imaginer vivre. Je pense pas que je serais sur mes deux pieds pour vrai. Wow, merci. C'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Pour moi, c'était court, mais juste en remerciant, prenons le temps de remercier pour ce qui va bien, puis aussi pour de remercier pour ce qui va moins bien. Parce qu'il va moins bien, comme j'ai dit, si dans la vie on est tous supposés dire avec quelques négatifs, il faut remercier la vie parce que on est plusieurs à vivre avec des négatifs positifs. je sais pas comment expliquer ça, mais on est plusieurs à vivre des choses qu'on considère plates, qui d'autres personnes aimeraient échanger sa situation avec la tienne, parce que c'est pas une difficulté pour vrai, c'est juste une étape de vie, une épreuve, un petit obstacle, c'est basic. C'est ça, on est plusieurs qui avons des problèmes basic. Fait que moi, tout ça pour dire que si je remercie pour vrai Dieu d'avoir mis cette personne-là avec moi, qu'elle m'a partagé ça, parce que ça m'a permis de remettre les choses en perspective, que les choses vont bien. Qui peut m'utiliser comme instrument pour lui venir en aide en quelque sorte, pour pouvoir lui apporter un soutien de la façon que je puisse apporter, tu sais. Puis ça pourrait être bénéfique pour cette personne-là et pour moi aussi, pour mon développement. Ok, c'est ça. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui.